Alors là, géothermie haute énergie euh, non conventionnelle. Donc là, on s'intéresse à une ressource euh, au-delà de 150 degrés euh, qui définit la géothermie euh, haute température, euh, mais dans un cadre où, euh, non conventionnel, c'est-à-dire qu'a priori, on va chercher à modifier le milieu pour exploiter, réussir à exploiter cette énergie, et c'est souvent le cas quand on va très profond. Donc l'objectif c'est de produire de, de l'électricité principalement et peut-être aussi un peu de chaleur. Et dans le cadre de cette géothermie non conventionnelle, on a eu une évolution euh, très singulière des, des concepts, des principes, euh, en grande partie suite à l'expérience de, de Soultz -le sous Forêt. Donc là, je voudrais revenir un peu sur l'historique de ce concept. Parce qu'il est majeur et qu'il a changé le paradigme sensiblement. Donc, on est parti d'une idée qu'on a appelée Haute Dry Rock, HDR, où le principe était finalement essayer de transposer un peu la situation typique, je dirais, du bassin de Paris avec un milieu poreux naturel dans lequel circule un fluide. Et on a. On avait l'objectif d'exploiter ce fluide circulant. Donc la, la prolongation de cette idée-là, ça a été de se dire ben, si le milieu poreux naturel n'existe pas naturellement, eh bien on va essayer de le reproduire, euh, de l'introduire dans le milieu, et pour ça, donc de fracturer le milieu artificiellement pour créer cet espace poreux. Donc ça, c'était l'essence de, de l'idée de créer cet aquifère en profondeur. Pour faire circuler un fluide artificiel, puisqu'il n'existe pas, dans l'idée il n'existait pas naturellement, pour extraire cette chaleur et ensuite produire de l'électricité. En fait, avec l'histoire de sous le sous-forêt, on s'est aperçu qu'il y avait un fluide naturel important qui circulait. Donc, il y avait un espace poreux de circulation avec un fluide naturel. Et ce qui est très singulier dans le cas de Sous-le-Sous-Forêt, c'est que ce flux naturel, il est extrêmement salé. C'est un grand océan profond, si on peut dire, avec une eau qui peut être trois fois plus salée que l'eau de mer, donc une saumure profonde euh, qui circule. Donc, l'idée au départ, qui était d'imaginer que la roche était sèche, n'était pas du tout euh, validée. Donc, ça, c'était un premier point d'évolution sensible. La deuxième euh, observation euh, qui a fait évoluer le concept, c'est que euh, euh, le, la circulation était importante et ça on l'a vu euh, en regardant euh, en essayant de comprendre le profil de température qui est mesuré euh, dans un puits de forage à sous-sous-forêt. Si on s'imagine être euh, un, petit, euh, un petit capteur qui descend dans un puits de forage à sous-sous-forêt, depuis la surface à, à, donc jusqu'à au fond du puits à 5000 mètres, on va voir la température évoluer de façon non continue. Elle évolue très rapidement sur le premier kilomètre dans la partie euh, sédimentaire euh, du, du système, et puis ensuite, quand on va euh, vers le, la partie euh, plus profonde, en dessous des sédiments, euh, en fait, la température n'évolue pratiquement plus. Elle évolue plus que. De, elle évolue dix fois moins une dizaine de degrés par kilomètre pour revenir à une évolution plus classique d'une trentaine de degrés par kilomètre. Pour expliquer cette, euh, cette anomalie de comportement, eh ben, il faut euh, penser à une circulation majeure sur plusieurs kilomètres de hauteur de grandes boucles de convection. Donc le, on voit bien que l'idée au départ d'un système euh, sec où il fallait créer complètement euh, le milieu poreux pour arriver à une circulation n'était pas du tout. Euh, pertinent et on, ce nouveau concept on, l on, on lui a donné un autre nom euh, qui s'appelle cette fois-ci EGS ou Enhanced Geothermal System. L'idée de fond elle, elle est assez simple, c'est de dire qu'il existe beaucoup de choses naturellement et il faut les utiliser. Il existe d'une part euh, un milieu où circule le fluide, c'est l'ensemble des, des grandes failles préexistantes. Euh, et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une circulation euh, naturelle qu'il faut aller euh, exploiter. Donc dans le nouveau concept, euh, on ne va pas du tout chercher à créer ce réservoir. On va utiliser les failles existantes. Et la grande spécificité, c'est d'aller créer les forages qui vont sur ces failles préexistantes pour aller prélever le, le fluide naturel. Euh, l'autre point qui a, qui a fait un peu évoluer les choses, c'est le fait que euh, on a introduit euh, des euh, des tarifs de rachat de l'électricité euh, fixés et qui, qui permettent d'avoir une planification de la ressource euh, financière sur de nombreuses années. Alors, euh, le cœur de, de cet aspect non conventionnel, c'est modifier le milieu et la principale technique pour le faire, c'est ce qu'on appelle la stimulation hydraulique. Bon, c'est en fait la stimulation générale, mais principalement utilisée, c'est la stimulation hydraulique. Euh, dans l'esprit, euh, elle se différencie euh, assez singulièrement de ce qu'on pourrait appeler la fracturation hydraulique, où là, on cherche à créer euh, la fracture avec euh, une montée en pression hydraulique. Ici, là, on cherche à réutiliser une faille existante avec une mise en pression, ce qui en fait une différence. Et donc, si on, on compare euh, ou qu'on définit trois grands stades dans cette... Euh, dans ce système-là, euh, l'état initial, c'est une fracture qui existe déjà. Donc euh, euh, on ne la crée pas, on, on cherche à faire rejouer une fracture existante. La deuxième étape, c'est de mettre en pression pour arriver euh, jusqu'à la chute de la pression effective sur la, la fracture et donc son cisaillement. Ce qui va générer un micro-séisme au moment de son glissement. Et puis l'état final, c'est euh, la reprise de l'effort, mais euh, du fait de la dilatance de la fracture, donc de sa, du fait que quand elle se cisaille, elle est obligée de s'ouvrir pour pouvoir se cisailler, du fait de la topographie euh, assez compliquée de ces fractures. Elle est obligée de passer par-dessus les aspérités et donc elle va euh, rester euh, plus ouverte après qu'avant. Donc c'est ça vraiment la stimulation. Que, dans un certain jargon on appelle euh, l'hydrochire. Alors euh, ça c'est ce qui se passe dans le sous-sol. Euh, pour cette technologie là, il, il faut aussi une installation de surface avec euh, une centrale euh, qui permet la circulation à grande échelle. Euh, dans cette centrale, il y a, il y a principalement deux grands euh, systèmes. Il y a d'une part ce qui permet de, de réaliser la boucle géothermale, donc euh, euh, la pompe et euh, le système de, de fermeture de la circulation euh, géothermale. Et l'autre partie, puisque c'est en deux sous-systèmes, il y a un fluide spécifique qui vient prélever la chaleur qui est extraite de la boucle géothermale pour l'emmener vers une turbine. Qui va produire l'électricité, c'est la boucle secondaire, typiquement euh, ORC. Et donc, si on fait la différence entre ces deux flux, on peut l'estimer à partir du débit, grand D, euh, de la densité du fluide, ρ, euh, de la capacité calorifique euh, de ce fluide et de la différence de température entre l'entrée TE et euh, la sortie TS. Alors, si on applique les paramètres qui sont euh, en gros euh, utilisés à sous le sous-forêt, on voit que le flux est de l'ordre, le bilan est de l'ordre de 9,5 MW thermique avec une capacité calorifique de 4200 joules par kilogramme par Kelvin, une densité d'environ 1000 kg par mètre cube et un débit de 25 litres par seconde pour une température d'entrée de 160 degrés et une température de sortie de. 70 degrés. Ça, c'est les chiffres qui sont vraiment typiques de cette technologie qu'on peut garder en tête. Et tout ça, euh, c'est pour une certaine pression. Euh, une, une pression de production, donc de pompage, euh, de l'ordre de 20 bar et une pression de réinjection euh, qui peut être de l'ordre de 50 bar. Et avec ces chiffres-là, on arrivera donc à une production thermique de 9,5 MW thermique, ce qui donnera avec le rendement de l'ordre de 10%, typiquement, une production électrique de l'ordre du MW. Donc on voit que Souls, dans ce cadre-là, reste une centrale de production modérée, mais on a tous les chiffres pour à peu près estimer la production d'un tel système.